was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I would end. At the end of the month, we said we would run. But then your ride came and they took you away. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover? Or was our love only for the summer? The summer, the summer, oh. You were mine until the end of the summer. Just a couple hundred miles will separate us for a while. But I believed that we would be back at the end of the year. But it's like you disappeared and you moved on, gone. A new season has dawned. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover? Summer, oh, oh. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover? Or was our love only for the summer? Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau live sur un jeu découverte sur 3Paint Master Simulator. Donc je tiens à remercier le développeur Moir. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau live sur un jeu découverte sur 3D Paint Master Simulator. Donc c'est un jeu de machine 3D, donc on va produire des choses avec des imprimantes. Il va falloir réparer les machines, donc quand sont, parce que d'après ce que j'ai compris, il y aura les pièces qui sont usées, donc il faudra les remplacer automatiquement. Arriver à un stade d'usure, je suppose, on va découvrir ça. Je tiens à remercier le développeur de m'avoir contacté pour vous présenter ce jeu et faire cette découverte. Alors, j'ai testé un peu avant le jeu. Il a l'air pas mal, mais le seul bémol, enfin, bémol, problème, si je peux dire, bémol comme vous voulez, le jeu n'est pas traduit en français, donc comme que je suis nul en anglais, je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais en tout cas, merci aux développeurs de m'avoir envoyé cette clé pour pouvoir vous le présenter et le tester avec vous. Donc, let's go, j'ai envie de vous dire, on passe sur le jeu. Hop. Et je change la fin de jeu. Voilà, ça l'a pas fait. Est-ce que ça, voilà, ça me l'a capté, c'est bon. J'ai eu peur que ça ne me le capte pas. Alors, comme vous pouvez voir, c'est marqué
Apparemment, elle a marqué continuer, donc en français, logging, nana. Donc, on va faire ça. Alors, j'imagine que je se joue au clavier souris. J'imagine. Parce que, attendez, je vais quand même tester la manette, voir si ça fonctionne ou pas. Ça a l'air de fonctionner à la manette. Déjà, c'est une bonne chose. Alors ici on a l'entrée. Là ça doit être le point de collée pour les clients parce que alors, on va voir les clients qui va nous commander des produits pour pouvoir un genre de pièce à produire avec l'imprimante 3D. Là nous avons nos outils pour monter les imprimantes 3D. Là, on a le coin peinture pour faire la peinture. Parce qu'il y aura certaines pièces qu'il faudra peindre. Et je crois qu'il faut que j'aille à mon ordinateur qui doit se trouver par là, je dirais. Ouais, c'est ça. Alors, comment je fais? Ouais. Et les mails. Nous avons anglais mail, on n'a rien. Après, on a ça, c'est quoi ça? Je sais pas. Les stories. Voilà, alors nous avons plusieurs catégories. Hein. Là, ça c'est le filament pour choisir les couleurs qu'on veut comme câble de couleur. Et ça, c'est les pièces pour les imprimantes. Donc, on a plusieurs levels, level 1, level 2, level 3, 4, 5. Plus on prend des machines de level important, niveau 5, je pense que c'est le max. Et nous, on va prendre le premier level hein, pour. On a 1 500 $. Alors, le problème n'est pas d'avoir l'argent, la somme du jeu en dollars, c'est pas le problème. C'est la traduction. Franchement, il faudrait qu'il y ait une traduction française, ça serait beaucoup mieux. Ça serait plus. Comment dire. Simple. Donc, comme je disais à l'instant, je suis nul en anglais. Alors, il me faut ça. Je confirme. Il me faut ceci. Ça doit être un plateau. Il me faut ceci. De toute façon, il nous faut une pièce de chaque. Voire deux, je ne sais pas. Ça, ça. Et ça. C'est quoi ça? Ok. Donc on a passé la commande, on va recevoir seulement des cartons à l'entrée du magasin de la boutique. On se dirige vers la porte. Ouais. Oula. On a 1 tonne de colis. Alors, on a une pièce, deux. Et on va tout déballer. Hop là. On va prendre tout ça. Ah ouais, d'accord. Non, je vais monter pour faire la rotation. D'accord, ok, ça va être. Avec ça, on va le poser. Et je peux le poser. Voilà. Après, il nous faut. Alors, si je comprends bien. C'est ça. Ben, je crois que c'est une carte mère. Alors, on va voir si c'est bien ça. C'est ça. Alors, apparemment, il me faut une tournevis. Alors, je sais pas lequel c'est. Ah, merde. Non, je vais pour zoomer. Comment je fais pour A? Ah, putain, facile.
moins que ce soit pas le bon. Non, là c'est pour zoomer, là ça fait rien. C'était pas le bon. On va essayer avec l'autre. Ah, si j'avais chopé, ce serait bien. Non. Ah putain, c'est horrible. Mais je vais te laisser attraper. Pas ça. On va essayer de peut-être l'approcher plus de là. Ah putain. En pivot. Non, je vais la mettre. Alors, la question c'est lequel tournevis? Est-ce qu'il faut que je me place sur dans le placement? Y a rien. D'accord, je ne sais pas utiliser un tournevis. LOL. Non. Il faut que je trouve comment fonctionne le tournevis, à quelle touche on utilise le tournevis pour pouvoir l'utiliser correctement. Et si j'arrivais déjà à me mettre correctement dessus. Ah, c'est pour jouer. Ah putain, je voulais pas le lâcher. Comment il le faire pivoter? Bon, il s'est barré de l'autre côté. Comment je fais pour le faire pivoter? Je suis au clavier, donc j'essaie de comprendre comment je fais pour le faire pivoter le bordel. Avec les flèches. À passer une plombe pour monter une machine, mais lol. Pas B. Ah putain, j'ai foutu une tournevis où il fallait pas. Plastique. Oui, mais moi je veux. Ça c'est pour zoomer. Il n'y a pas la possibilité de. De le prendre et de le faire. Je
comprends pas. Comment je peux faire pour faire pivoter le tournevis pour pouvoir visser? J'ai toutes les touches. Hein. C'est pas ça. Non plus. Je ne sais pas aller sur la droite. Ma gueule, j'ai un problème. Je fais comment pour récupérer mon tournevis? On va pas comprendre là. C'est que je vois pas le plus les plus votés, ce que je comprends pas en fait. Je peux le lever, le tourner, mais je vois pas le faire pivoter. Pourquoi cette merde? Là, je zoome, là je dézoome. Tiens, pourquoi je l'ai lâché là? Ah putain, je sais pas. Ça ne dit pas la touche qui tourne en fait. Ça c'est un problème par contre. Ça ne dit pas s'il faut appuyer sur A, E, je ne sais pas en fait. Pas tout à fait les commandes exactes. De comprendre. C'est pas F, c'est pas G. Alors, si je vais dans Setting, pourquoi je ne peux pas y aller? Je voudrais aller dans les paramètres du jeu, si possible. Hop. Je voudrais avoir les commandes. What the fuck? J'ai encore un tour. Ah non, mais il doit partir le tournevis.
Là, ça me fait lâcher le tournevis. Non, Y non, U non plus, I non plus, E non plus, P que dalle. Comment je fais pour visser? Tournevis, c'est les arrières. D'accord. Okay. Ah. Merde. Que je voulais faire. Comment je fais pour visser? On ne va pas comprendre. Quoi? La carte a disparu. Mais non. Comment ça fait qu'elle a disparu? Lol. Blague. La carte a disparu. Qu'elle soit pas, non. Bon, mais j'ai oublié d'en commander une autre. Ah ouais, non, mais d'accord, je l'ai mise là. D'accord, ok. Maintenant, comme par hasard, les roues là. Ben, je vais. Parce qu'elle a. Poubelle. Apparemment, c'est un tournevis, c'est pas une clé. Donc, la question, c'est lequel tournevis? On ne va pas comprendre l'anglais. Là, il y a des problèmes. J'ai pas d'indication plus que ça. Club Axe, salut Fred. Salut Kovacs. J'ai en train de me prendre la tête avec une machine, enfin avec une carte mère pour pouvoir la visser sur l'imprimante. Bordel. J'arrive pas. Ah, putain. J'arrive pas à trouver la touche pour pouvoir visser en fait. Je connais la touche pour prendre le tournevis, mais après, pour visser, Club je sais. Axe, j'ai pas eu envie de le faire ce jeu-là. Oui, après, chacun.
Et comme il veut, j'ai envie de dire. Mais le problème, toi. Club Axe, CA m'a trop rappelé PC Building Simulator. Je vois pas le rapport, mais bon. La question, c'est quelle touche pour pouvoir visser, bordel? Non? Là, c'est pour zoomer. J'en lui. Ah mais c'est une blague. Faut qu'on m'explique comment ça fonctionne. La question, est-ce que c'est bon tournevis? Ce que je suis en train de me dire, je ne sais pas. Et les deux, et merde. Bon, bah, il reste à partir. On dirait que les deux sont similaires, donc. Et j'arrive pas. Ah, mais attendez. Il y a quoi de marqué sur celui-là? Ah, c'est la même chose. Ou que j'arrive à visser ce truc, bordel! Non, pas le lâcher. Faut que je trouve la touche, comment faire? Un jour à trouver la bonne touche. Et, ça devrait aller se faire tout seul. Pas d'indication, c'est ça le problème. J'ai pas d'indication de quelle touche qu'il faut pour pouvoir visser en fait. Je crois que j'ai essayé quasiment toutes les touches du clavier. Rien n'y fait. Oh, il suffit que le clavier soit en version américaine. Alors là, je suis dans la merde. On va passer 1 heure pour pouvoir savoir visser une vis sur une imprimante 3D. LOL. Pourquoi? Mais si je ne peux pas visser la vis, comment je fais pour pouvoir. Merde. J'en ai fait. Ah mais je rentre dans le truc que j'essaie de me mettre correctement. Et là maintenant la question où j'appuie sur quelle touche. C'est ça que je voudrais savoir. Il n'y a pas d'indication pour. Y non, X non, A non plus. Directionnel que dalle Club joystick Axe, dans les options du menu, tu n'as pas des indications sur les commandes. alors le problème pour aller dans voilà je suis bloqué je peux pas aller plus loin je peux pas aller dans le setting pour savoir les paramètres en fait. Ouais, dans les paramètres pour savoir la configuration des touches et tout, là, mais je sais pas. Club Axe, c'est bizarre. Ouais, c'est ce que je trouve aussi, ouais. Si je fais ça, ouais, ça me sort. Et j'ai même pas. Ah si, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est bon, j'ai rien dit.
Mêlure. Merde, je sais pas ce que j'ai fait. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Merdé. Club Axe, je pense qu'il y a un conflit entre ta manette et ton clavier. Après, c'est pas impossible. Attends, je suis en train de régler le graphique. Hein. Elle est où la configuration de 2500 là? Bon, on va faire ça. Ça, c'est pour la musique. J'essaie de débrancher la manette pour voir. Mais à mon avis, ça va pas changer grand-chose, Clobax. Boîte, pourquoi le jeu il s'est éteint? J'ai touché un truc qu'il fallait pas. What the fuck? C'est quoi le délire? Ah, ça c'est cravé. Pas la configuration. Attends, mais c'est quoi cette merde? 300. Mais il n'y a pas la configuration le problème. Attends, la manette elle est débranchée là. Donc quand j'ai testé. J'amusais pas ça. Bon, je peux pas faire un retour en plus. C'est quoi ce print? Et pourquoi j'ai une petite fenêtre?
Quand j'enfle le jeu, j'ai une petite fenêtre. Alors que je dois avoir une fenêtre normale. Je dois être en mode fenestré, je pense. Ça c'est pour sortir, ça setting. Là, je suis dans le général. Ça c'est le volume pour la musique, ça c'est le contrôleur. Pourquoi j'ai une petite fenêtre du jeu qui apparaît? Donc par hasard, j'ai plus ma config à moi là, de. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ah, c'est mieux. Bon, maintenant, je sais comment pour. Il n'y a pas une sauvegarde, c'est une sauvegarde automatique. Comment ça se passe? Je fais ça. Ah, voilà, ok. Au pire, je suis sur le Discord, Clovax, si tu souhaites me rejoindre. Bon. Le problème, c'est que le jeu est en anglais. Donc ça pose un peu de problème parce que comme je connais que dalle en anglais, donc c'est la merde. Oui, clair. Mais bon, on va essayer de se démerder autant que mal que possible. Il y a, c'est que. Je connais pas les fonctionnalités, bordel. Alors déjà, ça c'est pour avancer. Là, je suis d'accord avec Z. Merde, le cahier, barre-toi pas du bureau, ça sert à rien que faire que tirer la cul avec Z. D pour aller sur la droite et gauche. Pour aller sur la gauche avec. Alors maintenant. J'avance et que je prends cette tournevis par exemple. Ah mais il y a un truc qui est pas cohérent là. Avec la molette, pardon, j'arrive pas à visser. Là, je zoome. Comment je fais pour visser? Allô? Mais lui, le bordel. Bon, c'est pas P. C'est pas I. PCH non plus. G non plus. F non plus. W non plus, X non plus, P, V, B, N, ça fait que dalle. Bouge dans tous les sens. Comment ça bouge dans tous les sens?
Ah, c'est pour ça que j'ai attendu en espérant que le développeur mette une version française, mais le problème, ça n'a pas été fait. Donc du coup, pour visser, je ne sais pas comment on fait. Pas compliqué hein, quand on vise de visser. Est-ce que je suis peut-être pas assez droit, je sais pas. Mais non, si je mets là. Ah, j'ai lâché le tournevis apparemment. Club Axe, on ne voit pas le jeu Fred. Ah! Une sauvegarde et je vais la ressortir. Et je vais relancer le jeu. Je ne sais pas si ça va le prendre. Même pas que j'ai oublié de relancer OBS. Ça ne veut pas capter, bordel. Pourquoi ça ne veut pas te capter? Alors si je mets en graphique, non, pas médium. Encore. Ah, mais... pourquoi ça veut pas me le capter? Ça veut dire que faut que j'en ai mort OBS, j'ai l'impression. C'est pas très logique. Alors ça l'a capté, pourquoi ça veut plus le capter? Comment pas? Pas comprendre là. Normalement, c'est censé. Le capter le jeu. Pas comprendre pourquoi là. Et je pense qu'il faut que je relance OBS, à mon avis. Par contre, ça se roule, par contre. Puis Club j'aime. Axe, t'es en capture automatique ou en capture manuelle pour ta capture de jeu? C'est automatique. Ça me capte le jeu. Tout à l'heure, avant de lancer le stream, il a fallu que je coupe l'OBS pour le relancer, pour que ça me capte le jeu en fait. Club Axe, passe en manuel pour choisir par toi-même la fenêtre. Ah non, c'est paramétré en automatique, donc. Benoît SR, connexion à Stream Runner, Stream Room 2.
Souhaite la bienvenue aux 11 nouveaux viewers. Ah, ça va pas capter le jeu, mais c'est n'importe quoi. J'aurais pas dû quitter le jeu en fait. Club Axe, comme tu veux, moi c'est ce que je te conseille, parce que la capture automatique de mon côté ça fonctionnait mal. Non, moi ça fonctionne très bien sur tous les jeux, mais sur celui-là, ça veut pas. Non, ça serait pas peut-être dans les graphiques. Club Axe, sinon passe en capture d'écran. Sur l'écran. Ah, ça me fait plus d'un capture de sonnette, non? C'est quoi ce Binks? Capture de fenêtre. Ok. Là, vous avez le jeu là ou pas? Club Axe, oui. C'est bien la première fois que je suis obligé de passer un capture de fenêtre pour pouvoir streamer sur un jeu. LOL. C'est une première. Est-ce que si je passe en... va passer en... C'est chaud, c'est mal fait en fait. Je suis en bon bois. Donc habituellement, j'ai pas ça, mais bon, bref. Club Axe, mais il est tout devant, il faut que tu le mettes tout en bas pour qu'on voit ta caméra. Ah oui, merde, c'est vrai. Là, c'est mieux? Je peux plus sortir de l'endroit maintenant. Lol. Alors, mode créateur. Continuez. C'est une blague. Sérieux. Comment je fais pour visser, s'il vous plaît? Je viens d'un traducteur. Et bienvenue à tous les runners, pardon. Bonne semaine là. Vous, excusez-moi. Club Axe, en fait la capture de jeu automatique fonctionne pas parce que t'es en Windows. Hein, quoi? Comment je fais pour pouvoir visser? Club Axe, dans Screen Mode. Club Axe, t'es en Windows. Windows 10. Comment je fais pour pouvoir visser? Ici. What the fuck? S'il vous plaît, développeur, faites quelque chose. Club Axe, non, ce n'est pas ce que je te dis, j'essaie de t'aider, mais c'est compliqué.
Comment ça, c'est compliqué? Je fais comment pour visser? Une blague? Merde. Au secours! J'ai besoin de Le traducteur. Bax, si ta capture de jeu automatique ne fonctionne pas, c'est parce que ton jeu actuellement est enfenêtré et pas en plein écran. Ah oui, là, je comprends mieux. Ouais. Ok, j'ai compris. Et donc, tu es tout en anglais, je comprends va me prendre la tête longtemps, croyez-moi. Et comment je fais pour pouvoir visser? J'ai aucune indication. Le problème, c'est que voilà, là j'ai une carte mère à mettre sur l'imprimante. Il me demande de la visser. Moi, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est comment je fais pour pouvoir visser. J'ai pas de touche en me disant là, je maintiens clic gauche pour pouvoir tenir le tour de vis. Ok, il n'y a pas de problème. Mais après, ça ne me dit pas s'il faut que j'appuie sur la touche E, Le A, Bax, mais j'ai l'impression que ta capture de fenêtre ne fonctionne pas. Je te vois encore dans le menu du jeu, c'est figé. Oh putain. Le Bax, mets ton jeu en plein écran et repasse en capture de jeu. Le Bax, ou alors fais une capture d'écran, pas de fenêtre mais bien une capture d'écran. Attends, déjà la capture que j'ai créée, je sais même pas où je l'ai foutue. La fenêtre, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Là, vous avez quoi? Mais... Le Bax, le menu du jeu. Là, c'est stick. Vous avez quoi? Non, ça fait pas. Donc, sérieux, c'est la merde. Là, je vais faire une capture de jeu. Okay. Non. Le problème, c'est que pour mettre le mode plein écran sur le jeu, je sais pas comment on fait. Donc, comme tout est marqué en anglais, c'est la grosse merde. Les à l'URL, désolé les gens. Par capture d'écran ou capture de fenêtre ou capture de jeu, je peux faire que ça. Donc normalement c'est capture de jeu.
Je crois que ça va être un échec pour cette découverte. J'ai l'impression que je suis deg. Club Axe fait une capture d'écran, Fred. Capture d'écran. Capture d'écran. Club Axe, au moins ça va forcément capturer ce qu'il y a sur ton écran, c'est le plus simple si la capture de jeu ne fonctionne pas. Ah, ça me capture mon OBS. Ben, mon bureau plutôt. J'ai une mode automatique, duplication du bureau et Club Windows Axe, 10. il faut que tu choisisses ton écran de jeu, pas ton écran secondaire. En principal. Club Axe, écoute-moi, va Ouais, doucement. c'est ce que je fais. Là, vous avez quoi? Là, ça fonctionne. Club Axe, ok, maintenant on voit le jeu, mais dans le jeu, va dans Général. J'y suis. Club Axe, première ligne, clique pour arriver sur full screen. Oui, j'y suis. Et Club après? Axe, voilà parfait. Et je laisse la capture d'écran là ou je l'enlève? Club Axe, maintenant, tu mets ta capture d'écran tout en bas. La première fois que ça m'arrive de... De faire ça. Là, c'est bon. Club Axe, mais maintenant que tu es en full screen sur le jeu, normalement la capture de jeu automatique devrait fonctionner. En train de me dire que là, faut que je ressorte, je laisse sur OBS et que je passe en mode automatique. Et je désactive la source. Ouais, c'est bon, je peux la faire sauter la source. Ah, c'est bon, vous voyez? Désolé, problème technique. Bon, ça n'est toujours pas mon problème. Comment je fais? Oui, on voit, ça bouge. Comment on fait pour visser ce putain de vis, lol? C'est une blague. Il faut un traducteur, s'il vous plaît. Club Axe, retourne dans le menu pour voir s'il y a des commandes. On a le menu pour voir s'il y a des commandes. Je vais à sauvegarde et setting. C'est dans setting. Il y a général, graphique, zoom, contrôle et Club Axe, contrôle. alors WSA. Ah oui, c'est marqué en anglais, je comprends rien.
Loi, ça veut dire quoi? Désolé, nerveux. Je comprends rien en anglais. S'il vous plaît, développeur, faites le jeu en français. Faites une traduction en français, s'il vous plaît. Ce serait beaucoup plus simple. Plus rotation. Plus rotation. Désolé, j'ai pas voulu jouer sur les mots. C'est pas voulu. Club Axe, tu as mis ton clavier en QWERTY là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi les mon clavier s'il est en QWERTY, en ZERTY ou je ne sais plus quoi. Désolé, c'est nerveux. Rien en fait. C'est horrible. C'est horrible. C'est catastrophique. Ça veut dire quoi? Qui que sauve, c'est F5, d'accord, c'est pour dire sauvegarde. F6, c'est quick land, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et après, il n'y a plus rien, je crois. Non, je pensais pas que c'était aussi marrant. Club Axe, dans le jeu, si tu appuies sur Z, tu avances. Oui, ça j'ai compris. Ça fait que c'était ça pour avancer. S pour reculer. D pour aller à droite et Q pour aller à gauche, apparemment. Mais pour pas m'improviser, je comprends. C'est ça que je ne sais pas. Ouais, c'est nerveux, je suis désolé. Club Axe, normalement, clic gauche pour visser. Clic gauche? Non, mais clic gauche. Mais non, clic gauche maintient le tournevis. Donc, j'ai perdu ma souris. Non, mais c'est une blague. J'ai plus de souris. Elle a disparu, ma souris. Non, c'est bon, j'ai retrouvé ma souris. Là, clic gauche, je prends une tournevis, je l'enfourne. Pardon, c'est. Non, ça m'a enlevé la carte, ta connerie, là. La carte, elle est là. Non, elle est plus là. Elle est là, elle est plus là. What the... Ah non, mais c'est... C'est nerveux. S'il vous plaît, mettez le jeu en français. C'est bien. Voilà, maintenant que j'ai encastré la truc, maintenant, je prends le tournevis. Je visse comment maintenant? C'est ça que je ne sais pas. En plus, le tournevis, il n'est pas dans le bon sens, bordel. Il me faut un traducteur, s'il vous plaît, si possible. Je ne peux pas le tourner, en fait. C'est ça que je comprends pas. Touche tout, j'ai déjà réglé mon clavier tout à l'heure.
Je peux rien comprendre. S'il marche en azerty ou s'il marche en azerty ou je ne sais plus quoi. Mais lol. Suis désolé, Place lui. pour tourner et CA pour la gauche et E pour la droite. Non. Eux, ça marche pas. Et A, ça fait que dalle. A marche pas, E marche pas non plus. Rien qui marche. C'est but. C'est vrai que ça a une galère. Je pensais pas à ce point. Une catastrophe. Le Bax, bah j'ai bien de ne pas accepter ce jeu en tout cas LUL. Moi, j'ai voulu l'accepter parce que je pensais que ça allait être simple, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne. Là, clic droit, pardon, je fais zoom. Le Bax, bah en tout cas on se marre, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Je suis vraiment désolé, les développeurs me mettaient le jeu en français, mettez des options, vous faites quelque chose. Parce que moi, je suis perdu, je suis largué, j'en peux plus. J'ai mal au ventre. Comprends rien. C'est de C'est la première fois que je me sens, comment dire, désespéré sur les jeux pour pouvoir jouer correctement. Incroyable. Nerveux, je crois. Voilà. Alors, on enfile le tournevis. Après, je fais comment pour visser, s'il vous plaît, Je vais les contacter en leur mettant un P, en leur disant mettez le jeu en français ou mettez des indications ou appuyez sur telle ou telle touche, je ne sais pas. Regardez, je mets le tour. Enfin, je mets le. Il est où le tournevis? Il est là le tournevis. Là, normalement, je suis fixé. Normalement, ça devrait m'indiquer, je viens, en théorie. Comment, sur quelle touche appuyer pour pouvoir visser, on est d'accord. Là, c'est pas le cas. Donc, du coup, je sais pas. Non, mais c'est horrible. J'ai aucune indication. Si je lâche, j'ai marre de lâcher le clic gauche, je lâche le tournevis. Donc, je sais pas. Là, je zoome. J'essaie toutes les touches du clavier. Je vois pas comment je peux visser. Pardon, excusez-moi. I, ça marche pas. O, ça marche pas. P, non plus. A, non plus. Z, merde, j'avance. Je recule maintenant. Là, je recule avec S, W, ça fait rien, X non plus, C, que dalle, V, la même chose, B, non plus, le N non plus. Mais c'est quoi ça, les... C'est quoi pour visser, s'il vous plaît? Non. J'avais vu... une vidéo dessus sur le jeu, mais bon, le gars il y arrivait très bien, mais par contre, il était comme moi, il était largué, il n'a pas su comment fonctionnait le jeu. Et si je retourne là dans Settings, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Contrôle.
Donc, j'ai les touches pour pouvoir avancer W, ça ne marche pas. S, A, D. Ring, ça veut dire quoi ça? Le zoom, ça j'ai compris. Ah ouais, d'accord, c'est pour la souris ça. Le cul, Club axe, le. drague, c'est prendre. Ouais, ça j'ai compris. Donc, clic gauche pour prendre. Le zoom, c'est clic droit, ça j'ai compris. Rotation, le cul, ça marche pas. Excusez-moi, mais je dis comment je pense, c'est marqué Q, donc je dis Q, désolé. Et rotation, ring, ping, avec E, ça Club marche axe, pas. en fait ton clavier est en QWERTY. Et comment je mets pour en mettre un AZERTY? Je n'ai pas compris. Club axe, le Q remplace le A. Club axe, le W remplace le Z. C'est chelou le truc. Non, je prends le tournevis. J'essaie de le mettre là. Donc si je fais A, il n'y a rien. Si je fais E, il n'y a rien. Et si je fais Z, j'avance dans le machin. Il n'y a rien qui marche. Mais excusez-moi, mais c'est nerveux. Une première fois que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à jouer sur un jeu. Non mais c'est horrible, je vous jure. J'ai vu une vidéo sur le jeu, le gars il c'est allé, on va dire, facilement, mais là, non, moi là, je suis désolé, les développeurs, mais là, je peux rien faire, je suis bloqué là, je suis sur le cul là, je sais pas comment faire, non. Là, je suis dépassé là, je comprends pas. Après, graphiquement, l'intérieur de notre maison, elle est jolie, c'est stylé, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez, mais au niveau des commandes, faites quelque chose, s'il vous plaît, parce que là, il n'y a pas moyen, là. Après, si vous voulez, j'en ferai un autre, je ferai un stream dessus, mais là, pour moi, c'est une mission impossible. Et pas possible, honnêtement. Pas que je veux pas, hein. Je ne peux pas visser, c'est ça que je comprends pas. Au moins que. Mais non. Au moins que ce soit ça. Mais non, ça ne peut pas être ça. Mais non, c'est une tournevis. Donc c'est pas une clé à Allen. Là, je zoome. Même avec la molette, je peux même pas tourner le tournevis, en fait. C'est ça que je comprends pas. Oui, pour information, je vous ai ajouté deux panneaux en composant. Un notamment pour les clips et un autre pour les. Je sais plus quoi d'ailleurs. Oublié, j'ai ajouté un deuxième panneau en composant. Non mais là, sérieux, c'est pas que je veux pas les développeurs, mais là, je suis désespéré là.
Là, je, non, je honnêtement, là, là je ne sais plus quoi faire là. Je suis bloqué, je ne sais pas, je comprends pas. Encore que le jeu soit en anglais, c'est pas un, on va dire, c'est un problème soit. Mais ce qui se passe, c'est que dès que j'ai un tournevis ou l'autre tournevis, je peux pas, j'ai pas une indication ou sur quelle lettre ou sur quelle touche faut que j'appuie en fait pour pouvoir visser en fait. Moi, ce que j'ai vu en vidéo, en présentation du jeu, le gars il vissait sans problème. Donc moi, je sais pas. Moi, pas comprendre là. Je suis mal en anglais, alors j'ai un peu de mal à parler français, alors je vous en parle même pas pour l'anglais. Du coup, il est où mon deuxième tournevis? J'en ai un là. J'ai garé le tournevis. Allô, le tournevis, t'es où? Ah, bah, là. Voilà. Si j'avance trop, je suis dans la machine. Mais là, je peux rien faire à part zoomer à tout droit. La molette, rien à faire. Là, moi, je sais pas. Je crois que j'y reviendrai quand il sera peut-être traduit en français. Je me dis peut-être, et encore, je ne sais pas s'il va être traduit en français. Mais là, on va pas comprendre. Pas de la mauvaise volonté, mais là, je sais pas. Tournevis qui est, on va dire, à peu près en place. Donc, ce serait quoi comme touche? Je fais A, il n'y a rien qui se passe. E, que dalle. J'ai beau appuyer sur toutes les touches possibles et imaginables, il n'y a rien qui fonctionne. En tout cas, j'aurais pas beaucoup avancé, j'aurais pas pu monter une machine, mais au moins on sera bien marré sur comment visser un vis dans une imprimante 3D pour mettre de la carte mère. Là, j'avoue que là, je suis perplexe, franchement. Là, je suis. Il manque, comme je vous dis, il manque un truc, c'est pas possible. Alors c'est soit c'est moi qui mets mal le tournevis en place et ça ne dit pas l'indication sur quelle touche appuyer, ou il faut appuyer sur une touche, mais laquelle, je l'ignore. Merci pour le follow. Barbu, merci pour ton follow. Désolé pour le fou rire, mais c'est plus fort que moi. Je pensais avoir des difficultés, oui, sur le jeu parce qu'il n'est pas en français, donc il n'y a pas aucune traduction, pardon, en français, et qui fait que je me suis dit, ouais, je vais le tester pour vous présenter. Thank you. Et du fait, je me suis dit, il y aura sûrement une aide. Voilà, quand je vais prendre le tournevis, par exemple, ça va me dire d'appuyer sur telle ou telle touche. Or que là, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut que les développeurs soient j'arrive pas à le dire. Trois, non, j'arrive. Putain, mais c'est fou. J'arrive pas à en placer une ce matin. Traduisent le jeu en français, soit qu'ils nous mettent des indications sur quelle ou telle touche appuyer pour pouvoir visser pour là.
Là, je suis sidéré, là. C'est la première fois que je fais une présentation de jeu que je ne sais pas, que j'arrive pas à avancer du tout, en fait. C'est une première pour moi, honnêtement. Et là, je suis sur, ben, sur le cul, en fait. Voilà, pour être honnête. Là, je comprends pas. Ça peut être la clé, ça peut être une clé Allen, donc ça peut être que un ou l'autre un des deux tournevis. Mais à y voir plus près, je dirais que les tournevis, pour moi, il m'a l'air d'être similaire, donc ça m'a l'air des tournevis cruciformes. J'ai pas de conneries. Ouais. Les cruciformes, ouais, c'est pareil, c'est exactement les mêmes. Au niveau du nom de tournevis, priori, ça veut dire la même chose. Mais la question, c'est que voilà, je prends une tournevis, déjà, ça ne me met pas dans le sens. Word. Il faut un traducteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est les deux mêmes tournevis. Hein. Ah, je suis persuadé que c'est les mêmes. Ah putain, désolé, mais j'étais trop nerveux tout à l'heure. Là, que je me. Non, mais là, waouh. On va pas comprendre là. Ouais, mais si je mets le tournevis dans ce sens-là, mais le problème c'est que je peux pas pivoter. Moi, une cadre de rotation normalement, non? Et je fais Q, voilà, Q, je pars sur la gauche, D, je pars sur la droite, Z, j'avance. S, je recule. Donc, après, il me reste toutes les autres touches de clavier possibles et imaginables. J'ai tout essayé, rien n'y fait, rien n'y marche. Donc, je sais pas. Moi, pas comprendre. Moi, parler que français, pas parler anglais. Donc, désolé. En tout cas, je me suis bien marré. Pour cette présentation découverte de jeu qui est 3D Paint Master Simulator. Mais je suis vraiment désolé, développeur, mais c'est indépendant de ma volonté là, vous traduire le jeu là, pour moi, s'il vous plaît. Je pourrais faire un autre gameplay, mais pour que le jeu soit traduit en français, ou qu'il nous rajoute l'option quelle touche faut appuyer pour visser. Mais là, je vois pas comment. Je vois pas comment faire. Là, Benoît je suis. SR, fin du passage, 1 minute, n'hésite pas à dire un dernier mot avant de laisser ton tour au prochain streamer. En tout cas, merci à l'heure d'être passé. Donc, je vais mettre fin à. Comment dire? À la catastrophe. De découverte parce que là bon j'aurais fait 1 heure et demie mais bon voilà je remercie quand même les développeurs de m'avoir envoyé la clé de pouvoir tester et faire cette découverte mais là pour moi je pensais que ça aurait été plus simple c'est vrai que pour moi du fait que le jeu il est en anglais c'est une contrainte parce que je parle pas l'anglais. Et il n'y a pas la version française, donc et il manque l'option indication Benoît SR, déconnexion de stream runner. À l'indication bientôt. sur quelle ou telle touche appuyer. Donc il faudrait peut-être qu'il fasse un patch par rapport à ça.
ou passer le jeu en français, enfin, avoir peut-être rajouté des patchs de traduction, de. Parce que bon, j'ai connu des jeux comme ça, mais il y avait toujours, j'avais toujours plus ou moins une indication d'appuyer sur telle ou telle touche pour faire telle ou telle action. Là, c'est pas le cas, donc on est un peu, on va dire, perdu. Enfin, pour moi, c'est mon cas personnellement, mais bon, voilà. Mais je crois que je vais mettre fin à la catastrophe, parce que je crois que j'ai passé, là, ça fait 1h30 que je suis dessus, j'ai pas su monter la machine. Donc, parce que même si je vais chercher, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi ça? C'est la plateforme. Et ça va être ce qui va sûrement derrière. Recule. Ah, normalement, ça, c'est ce qui cache la carte mère. Donc, même ça. Même ça, je peux même pas la mettre, parce que je pense, et j'en suis quasiment sûr, du fait que la carte mère n'allait pas visser. Donc, au moment que je ne peux pas visser la carte mère, je ne peux pas mettre la plaque à l'arrière. Donc, du fait que ben, je peux rien faire. Je peux rien faire, je suis bloqué, hélas. Et donc, je m'attendais qu'il y ait plus d'indications, malgré que je sois en anglais. Après, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'idée est bonne, mais ils auraient dû faire une traduction française et éventuellement rajouter une option pour nous dire. Voilà, prendre le tournis, OK, et appuyer sur telle ou telle touche, ou nous faire un tuto. Là, on est carrément dans le vide du sujet, sans savoir quelle touche qu'on doit utiliser pour visser, ou quel type de tournis qu'il nous faut. Pour moi, les deux tournis que j'ai là sur le bureau, pour moi, ils sont, j'ai l'impression que pour moi ils sont identiques. Donc après, je sais pas, il faudrait qu'ils retravaillent là-dessus, sur l'aspect des indications, ou traduire le jeu en français aussi, déjà, ça serait déjà une bonne chose, s'ils peuvent, les développeurs. Mais bon, voilà, je pense que je vais mettre fin au massacre, si je peux dire, parce que j'ai passé des heures et j'ai pas envie de perdre mon temps, et j'ai pas envie, voilà, que ça dure non plus une éternité, parce que là, j'avance pas, donc c'est pas la peine. Après, voilà, qu'ils fassent un patch, voire même deux patchs, et que je refasse un gameplay dessus, ça va pas me déranger, au moment que ils ont fait mise à jour, soit version française ou avec une indication, tournis appuyé sur telle ou telle touche pour pouvoir visser, voilà, juste ça. Mais sinon, graphiquement, le jeu, graphiquement, il est joli. Je pense qu'il vaut le coup d'être joué, et de voir ce que ça peut donner au niveau impression, qu'on peut faire avec les machines. Je pense que ça peut, c'est, enfin, que c'est pourrait rendre plutôt pas mal, mais là, pour moi, non, c'est pas possible, je ne suis pas là. Là,
non comprendre, à part le français, l'anglais, je suis nul. Et du coup, ben, je ne peux pas avancer plus que ça. Donc voilà. Moi, je ne sais pas quoi. Là, je ne sais pas. Je suis bloqué en fait. Donc voilà, ben, merci quand même d'avoir regardé, merci pour le nouveau follow. Je vous souhaite bonne matinée, on se retrouve plus tard pour un prochain stream que je ferai sûrement cet après-midi. J'avais dans l'idée d'être sur Shipgraward, donc 2. Voilà. Donc je pense que je vais peut-être vous remettre en stream. Je sais pas quelle heure il est là. 9h32, j'ai un truc à faire. Peut-être que je repasserai en fin de matinée en stream ou en début d'après-midi, à voir. Mais voilà, donc voilà, merci quand même encore. Les développeurs m'ont envoyé la clé pour vous présenter et tester le jeu. Mais là, j'étais au-delà de mes possibilités. Je suis obligé de laisser la carte mère dans la machine. La plaque grise va à côté, va dessus la plaque, enfin, dessus la carte mère. Mais où je suis bloqué en fait, du fait que je ne peux pas visser. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir visionné. Je vous souhaite une bonne matinée et je vous dis à tout à l'heure sur Shipgraward 2. Je pense que je vais faire ça. Donc on continuera à démonter les bateaux. Alors j'en ai un à finir, puis j'en ai créé un autre. Après, je ne sais pas trop lequel je vais faire. À voir. Donc voilà, merci d'avoir quand même visionné. Merci pour votre soutien, mais encore merci pour le follow. Merci pour les gens qui ont été dans l'ombre et la communauté du streamer d'être passée. Et je remercie pour les gens qui sont mis en leur. Que je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Et je vous dis à plus tard. Bye bye à tous. Just keep me safe, so I can face the things ahead. It keeps on hurting, the way you always walk away. I don't wanna miss you, don't wanna